Allez, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le village. Ah, les meilleurs. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Donc c'est des groupes qui sillonnent tous les petits chemins, tous les petits villages, comme ça. Ils font du porte-à-porte, on les appelle, on leur donne un petit billet. Et après ce petit billet, eh bien, ils vont se mettre devant la maison, comme là ici, c'est eux qui ont donné le billet. Donc ils vont se mettre devant et ils vont, l'histoire de 3-4 minutes, le temps de faire une chanson, eh bien, se mettre là, ils vont chanter et danser. C'est des groupes de Molam. Et croyez-moi que c'est très très prisé, très très prisé par nous. Voilà. Allez, Loulou, t'as mis d'où, Molam. Quoi? Ah, quoi? Là là là, quoi? Donc voilà, ils vont faire tout le village. Alors souvent on voit ça, hein, bien sûr, souvent on voit ça et c'est vrai que c'est agréable, il y a la petite musique, c'est la musique d'avant, hein. C'est du Molam dancing, voilà ce qu'on appelle, mais par contre c'est des habits traditionnels et franchement c'est que du bonheur. Et regardez, la petite elle a eu peur, voilà. Et ouais, ni quoi, ah, quoi, 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 ça veut dire la peur, voilà la peur. Donc là je suis chez... Alai. Nick Noy. Donc voilà un peu comment ça se passe dans mes petits villages. Vous ferez des excursions extraordinaires, vous verrez beaucoup, beaucoup de belles choses. Et surtout des maisons
authentiques, traditionnelles. Oui, c'est des maisons de tôle, comme il disait mon ami Michel, mais c'est ça aussi la Thaïlande, c'est ces tôles-là qui n'ont pas divisé le paysage, mais ça donne un charme à ces villages-là que j'adore, puisque le bois, les tôles, oui, c'est ce qui fait les villages authentiques et typiques. Donc, je vous accompagnerai dans ces marches dans les villages où vous verrez beaucoup, beaucoup de belles choses et surtout, vous apprendrez des choses. Parce que ce n'est pas le fait de regarder et de dire « Oh, ça, c'est une maison de tôle. Il doit pleuvoir, il doit avoir chaud, il doit avoir froid. » C'est pas que ça. C'est pourquoi ils vivent là-dedans. Vous savez, je connais des gens qui ont de l'argent, qui peuvent refaire leur maison. Et puis non, ils ne refont pas leur maison. Ils laissent leur maison comme ça. Bien sûr, ils la réparent quand il y a des soucis. Mais sinon, ils laissent leur maison comme elle est. Alors, par tradition, par aussi non pas gaspiller. Pourquoi détruire une maison comme ça? Puisque à l'intérieur, on mange, on dort, on discute. Puis, c'est une maison familiale, ce que vous voyez là. Donc, toutes ces choses-là, je vous les raconterai à ma façon, à la façon d'un Français depuis 11 ans qui sillonne ces petits villages et qui est amoureux de ces villages. Tous les villages ne se ressemblent pas. Par contre, tous les paysans se ressemblent. Quand je dis se ressemblent, ça veut dire qu'ils ont tous la main sur le cœur. Le sourire, comme là, voilà. Le sourire. Et rien que ce sourire-là vous dit bienvenue chez nous, en Thaïlande, à Nissan, dans le pays du sourire, bien sûr, mais du côté de Nissan, c'est la plus grande région de Thaïlande. C'est celle qui est la moins connue. Tant mieux, parce qu'il n'y aura que moi qui va vous faire découvrir un peu ce monde-là. Mais très riche en beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez voir, découvrir, dans les jours qui arrivent, Lissan. Lissan, comment je la fais découvrir aux gens qui viennent chez moi faire des séjours, plus ou moins grands. Car je serai avec mon ami Jean, qui arrive de Corse, et tous les deux, on va aller sillonner tout ce que vous voyez et tout ce que vous n'avez pas vu. Donc, il faudra être attentif, il faudra... Si vous ne pouvez pas le voir en direct, vous le regarderez en replay. Mais vous allez voir plein de belles choses. Et accrochez-vous parce que franchement, il va y avoir des belles choses que vous n'avez pas vues, que je vous ferai découvrir. Ce sera mes petits plus dans mes vidéos. Et surtout, je suis certain que ça va vous donner envie de venir ici à Nissan. Découvrir Nissan, pas que les villages, il y a beaucoup d'autres choses que vous allez découvrir avec Eric Thaïlande. Et ça, pendant le séjour de Jean, je vais vous aussi faire ces lives-là. Pas des grands lives, non, parce que je serai avec, on va dire, avec un client, donc je ne pourrai pas faire de grands lives. Puis il y a des choses que je ne vous montrerai pas, parce que c'est quand vous viendrez avec moi que vous les découvrirez. Mais sinon, on fera un briefing au début et à la fin de l'excursion. Donc Jean nous dira s'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas. Donc on fera un petit briefing ensemble. Salut Albert, gros bisous. Donc j'attends un peu et on y va, parce que c'est ça que j'attendais. Allez, on y va vite. Et oui, c'est la rentrée des buffles, la rentrée aussi des vaches. Vous en avez vu quelques-unes passer tout à l'heure. Et là, regardez, ils arrivent petit à petit. Voilà, je suis avec le petit chien. Voilà, le chien de ma belle-sœur. Donc, c'est pas que des villages de paysans, c'est surtout la bonne humeur que vous allez voir dans ces villages-là. Vous allez voir des enfants, vous allez voir des bébés aussi. Vous allez voir. Maman. Ça va les cas, Doulou. Wow, wani lon. Photo, tonien fond. Tonien photo. Ouais.
Alors d'un côté et de l'autre, ça part de tous les côtés. Qui a qui a quoi. Sawadee kap, wani ban po noi. Super, j'espère un jour te voir, mon ami Albert. Voilà, allez, les bergères sont là. Les buffles sont rentrés. Et moi, tranquillement, je vais tranquillement rentrer, vous faire découvrir aussi un peu, ces maisons. Ces fleurs, ces poulaillers. Je vous ferai un autre live pour vous expliquer un petit peu pourquoi je dis qu'on est ici autonome, et vous le voyez, et bien sûr, on a toute la volaille ici. Tous on a des poulets, des canards, on a des élevages de poissons, dont des retenues d'eau. On a aussi ces vaches qu'on ne mangera pas, bien entendu. On ne les mangera pas, c'est très très rare. On a aussi des élevages de porcs, de cochons. Et tout ça fait que, ici, dans les petits villages, on peut vivre tranquillement avec du troc. Et c'est ça que je vais vous expliquer sur un autre live. Le troc se fait quasiment tout le temps ici. On troquera un poulet contre du travail. Du travail contre du riz. Voilà. C'est pas forcément que de l'argent ici. C'est ces petits travaux, ces gestes, ces fruits, ces légumes. Il y en a qui ont des bananiers en grand nombre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre, bien sûr, ces régimes de bananes, mais aussi ils vont les troquer. Et c'est ça que je vais vous expliquer aussi dans les autres lives. Et pendant mes excursions, j'explique tout ça aux gens qui viennent découvrir l'Issan avec moi. Super Albert. Allez, viens me voir. On fera quelques balades ensemble. Voilà. Donc, pour finir, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe sur mon Facebook. On va parler un peu, pas trop politique, parce que j'aime pas trop ça, parce que je suis apolitique, vous le savez. Parce que la politique, c'est tous la même chose. C'est tous pareil. Moi, ma politique, c'est ça, c'est de vivre comme ça, dans des villages, avec mes amis thaïlandais, thaïlandaises, vivre comme eux, les aider, leur donner la main, à faire des sacs de riz, de charbon, à déplacer une charrette, à déplacer un tronc d'arbre. Donc toutes ces petites choses que des fois, ben, c'est mieux d'être à deux et à trois au lieu d'être tout seul. Donc ce matin, quand je me suis réveillé, j'avais beaucoup de messages. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Bien sûr, un rapport à Micron aussi. On ne va pas citer son nom parce que je l'aime pas aussi. Mais surtout, les messages c'était « Eric, prépare-nous un terrain. Eric, est-ce que tu peux nous faire une petite maison ? Eric, comment faire pour venir en Thaïlande et y rester ?» Pour les visas. Toutes ces questions-là qu'ils m'avaient posées avant qu'on mette le petit papier dans la boîte, hein, vous avez compris, je ne vais pas me faire censurer à rapport à des mots. Ces gens-là, ils m'ont dit, Eric, si le microbe revient encore 5 ans, on quitte la France. Et ces messages-là, j'en ai eu, sans vous mentir, 19 aujourd'hui. 19 personnes qui m'ont dit, Eric, il va falloir qu'on se voit sérieusement parce qu'on va partir de France. Donc voilà, je tenais à le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui justement écoutent ce live. Donc oui, j'ai bien... Oh là là, oh là là, allez. Donc je devrais dire à ces gens-là, oui, je suis à votre écoute. Oui, je serai là avec vous et je vous aiderai.
et on se verra en privé. Voilà, c'était juste un petit passage pour dire à ces 19 personnes, et je sais, et il y en a d'autres qui vont suivre, bien sûr, ça je suis certain. Voilà, donc oui, on pourra faire un truc ensemble. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, et surtout, je vous ferai un live demain. Demain, je vous ferai un live sur le terrain, sur mon bébé. Voilà, pour ceux qui savent, ils savent, sur le terrain à bâtir ou... éventuellement on bâtira quelques petites maisons pour que vous puissiez venir aussi bien en vacances ou alors maintenant pour ceux qui veulent vivre ici en Thaïlande. Voilà, donc sur ce je vous fais de gros bisous, j'arrête le live, le temps est couvert aujourd'hui, pas de vent, très chaud, très humide, j'espère qu'il va pleuvoir, voilà, comme ça Michael, je ne pourrai pas besoin d'arroser ton jardin et ni le mien. C'est bien, 6 mois de l'année, c'est très bien. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous. Je pars, je vous dis à demain pour les lives. T'as vu un peu? Ils vont devenir comme ça les tiens, t'inquiète pas, Michael. C'est chez ma belle-sœur. Voilà. Allez, à bientôt, mes amis.